Dans ce film-là... Dans ce film-là, on éternue beaucoup. Bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui pour parler de Factory, de Youri Bikov, dont vous avez déjà dit quelques mots au Festival de Beaune, il y a quelques mois de ça, tout simplement parce que le film nous avait tapé dans l'œil et nous avait beaucoup impressionnés. Работаем до конца месяца и все. Сейчас денег нет. Закрывай! Ты слезами залился, когда 300 человек на улице выпили. И кто ментов вызвал? Alors de quoi ça cause? Factory, c'est l'histoire d'un vétéran de pas mal de guerres russes, qui est surnommé Gris, qui travaille dans une usine comme métallo depuis maintenant quelques mois. Il en peut plus, il est traumatisé, la vie est très dure, très compliquée. Tout simplement, un jour, l'oligarque qui possède, qui a racheté pour une bouchée de pain l'usine dans laquelle il bosse, ainsi que tous ses amis, décide de la fermer de manière arbitraire, brutale, du jour au lendemain. Donc tout le monde va perdre son travail, y compris notre héros, Gris. Pour lui, c'est une décision assez terrible parce que, en gros, vétéran d'une quarantaine d'années passées, passablement traumatisé par les différents conflits qu'il a traversés, il va pas retrouver du travail. Et à ce moment-là, il se dit, avec quelques-uns des collègues dont il est un peu proche, il se dit, mais attends, cet oligarque, il est riche, il nage dans le pognon jusqu'aux oreilles, on va le kidnapper et on va lui donner quelques heures pour nous faire livrer une énorme valise de pognon. Non pas pour provoquer une grande apocalypse médiatique, les types ne veulent pas révolutionner la Russie, ne veulent pas déclencher un grand bouleversement idéologique anticapitaliste, non, ils se disent, il y a moyen de partir avec un peu de pognon et plus que les quelques miettes que nous promet le directeur de l'usine. On est dans un film qui appartient à un sous-genre un peu particulier du thriller et du drame. C'est en général ce sous-genre de huis clos. On a la confrontation de deux personnages, l'un étant généralement en rébellion, en révolte, en rupture de banc contre le système, contre le monde dans lequel il évolue, et le second, tout simplement, personnifiant, incarnant ce monde. Alors il y a plusieurs films comme ça, il y en a plein, hein. On peut penser à Mad City avec Dustin Hoffman et John Travolta, ou plus récemment à Money Monster dans lequel officiaient Jodie Foster et George Clooney. C'est des films que moi je trouve pas inintéressants, mais qui ont souvent une limite évidente, c'est que ce sont des films qui veulent, on va dire, critiquer assez durement le monde dans lequel on évolue, et par conséquent, ces films sont souvent un petit peu frustrants, un petit peu courts, et en plus de ça, ils réclament pour être réussis énormément d'intelligence et de maîtrise, parce qu'on est plus ou moins, voire totalement, dans le huis clos. Or, le huis clos, quand on a un décor limité, très peu de personnages, ça réclame du metteur en scène une grande aisance dans les jeux d'espace, une grande rigueur dans le découpage, bref, une capacité à raconter les choses d'un point de vue strictement cinématographique qui est quand même très très élevé. Or, étant donné que ce sont pour la plupart des films hollywoodiens, ils ont un problème, on va dire, philosophique de base, c'est qu'ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas amener cette critique trop trop loin. Or, l'avantage quand c'est les Russes qui s'y collent, c'est qu'ils sont pas à ce genre, on va dire, de limite. Après, ils en ont d'autres, hein. Toutes les cultures sont différentes, mais c'est très intéressant de voir un film russe s'attaquer à ce genre de film. Ce qui moi, me plaît beaucoup dans Factory, c'est que justement, le réalisateur Youri Bikov, il donne tout, quoi. Que ce soit les moments très réalistes, très bruts, très durs, tout le début dans l'usine, que ce soit lorsqu'on part sur le huis clos et la prise d'otage, il a une multitude, on va dire, de langage cinématographique qu'il maîtrise, qui est, moi, je trouve très très impressionnante. Et ce que je note, c'est qu'il est capable aussi bien d'aller dans de l'action très intense, très spectaculaire, très éprouvante, que d'aller vers quelque chose qui est presque du théâtre filmé, notamment quand il y a les grandes confrontations symboliques entre l'oligarque et celui qui l'a pris en otage. Dans ces moments-là, vraiment, il est capable vraiment de déployer un art très varié, très ludique, et que moi je trouve techniquement incroyablement abouti. Parce qu'il va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus radical, beaucoup plus brut aussi, beaucoup plus physique que ne le sont ses équivalents américains. C'est un des grands plaisirs du film, c'est qu'il va utiliser ce sous-genre du drame et du thriller, mais vraiment pour en tirer le meilleur. Ce type de film a tendance à s'essouffler au fur et à mesure du récit, quand on voit les enjeux, quand on passe un peu au discours thèse, antithèse, synthèse, oui ça c'est mal, mais ça c'est aussi un peu bien, et puis le héros il est pas si gentil. Dans ce film-là, ce qui est très impressionnant du côté de Bikov, c'est qu'il arrive à maintenir l'attention, à maintenir la pression, et à renouveler les enjeux, encore une fois toujours grâce à la mise en scène, avec sa photographie, avec les différents rebondissements qui sont, je trouve, plutôt malins. Il transforme son décor, il transforme les rapports de force et il le fait vraiment, vraiment avec une grande pertinence et beaucoup d'acuité visuelle.
Un deuxième point, moi, que je trouve aussi absolument remarquable, ce sont les comédiens. Alors, ils sont tous excellents, mais je vais m'arrêter sur deux d'entre eux. Les deux acteurs principaux du film sont renversants. C'est le comédien principal, celui qui interprète Gris, qui est Denis Shvedov. On l'a déjà vu dans les précédents films de Yuri Bykov, et là, il est transfiguré. Il est absolument méconnaissable. C'est un espèce de grand colosse taiseux et marqué à vie par ce qu'il a vécu. Il est d'un charisme, mais le mec est un boulet de démolition. Mais au-delà de, on va dire, la puissance brute qu'il inspire, sa partition est vraiment très, 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 très fine. Il est assez bouleversant, et le voir passer par différents états qui vont de la colère froide à la révolte programmée jusqu'à quelque chose de beaucoup plus enragé et kamikaze, c'est vraiment un très très beau boulot d'acteur. En face de lui, pour interpréter l'oligarque, il y a Andrei Smolyakov. Alors on sent qu'il a un gros passif de théâtre et il en joue avec beaucoup, beaucoup d'intelligence parce que ce personnage d'oligarque est théâtral par essence. Et c'est très cohérent pour jouer ce personnage qui est un habitué des plateaux de télévision, un habitué de la communication, qui harangue la foule et qui s'adresse toujours comme ça à une masse. Et bien ce type-là va petit à petit se retrouver dans un espace, dans un système, dans un jeu de plus en plus resserré qui va l'obliger d'aller à l'écorce, d'aller à l'os, de se dévoiler en tant qu'humain et de dire finalement bah, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe. Moi, je suis un peu estomaqué par leurs deux performances, par la façon dont elles se répondent et par la manière dont le réalisateur parvient à vraiment très très bien les employer. Donc c'est aussi, si vous aimez les beaux numéros de composition, c'est un sacré numéro de comédien qui vous attend dans Factory. Arrivé aux deux tiers, il y a une grosse scène d'action. Et pas une scène d'action à la John Wick, je veux dire une scène d'action qui est profondément enchâssée dans le réel, qui est totalement crédible, mais qui est d'une virtuosité en termes de mise en scène, d'une intensité et d'une brutalité. Tiens, moi j'ai ramassé mes dents en sortant de la salle, quoi. Non pas que ça y ressemble, mais pour vous donner un ordre d'idée, philosophiquement, c'est un peu la philosophie de l'action qu'on peut trouver chez un James Gray, par exemple, dans La Nuit nous appartient. Je sais pas si vous vous souvenez de cette poursuite en voiture qu'on voit intégralement de l'intérieur d'une bagnole. En gros, voilà, l'idée, c'est on peut apporter du grand spectacle, on peut apporter énormément d'intensité, tout en se posant la question de comment le faire d'une manière qui provoque chez le spectateur un sentiment d'hyper-réalisme. Et le résultat, c'est énorme. Ce qui me permet aussi d'introduire une autre dimension assez passionnante. Donc, comme on l'a dit, ces films sont souvent basés sur la confrontation entre deux personnages. Là, le truc qui est assez intelligent et qui renouvelle un peu cette formule-là, c'est qu'on a toujours dans ces films-là la figure du négociateur, de l'intermédiaire, en gros de celui qui permet le ping-pong narratif entre les deux entités symboliques qui se confrontent. Et bien là, ce personnage-là, c'est pas juste un personnage fonction, pas juste un personnage valise, c'est un personnage à part entière, qui est formidablement écrit et qui lui aussi a droit à tout un arc évolutif pendant le récit, grâce à une intrigue qui, justement, à mon sens, est psychologiquement et symboliquement très très fine. Et du coup, bah ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est un sacré bonheur de voir tout ça se déployer. Et justement, ce personnage-là, il prend tout son sens dans cette séquence d'action. Elle le sublime et elle lui donne une signification très particulière. Donc voilà, moi, c'est la troisième raison, à mon sens, vraiment, de tomber en pamoison devant Factory. C'est cette immense maîtrise quand tout d'un coup, il faut faire exploser les tensions. Donc pour toutes ces raisons, on pense que vous seriez bien inspiré de donner sa chance à Factory, qui sort le 24 juillet au cœur de l'été. Ça n'est pas un des blockbusters de la saison estivale, mais c'est clairement une des plus belles surprises de cette année et qui mérite vraiment que vous le découvriez parce que c'est surprenant, c'est formidablement abouti comme film de cinéma et ouais, vous allez sortir un peu avec les jambes qui vont flageoler et c'est un sentiment très agréable et qui n'arrive pas si souvent. Voilà, on espère que ce film vous aura plu, que vous aurez envie de partager cette vidéo, de la commenter, que vous reviendrez nous parler quand vous l'aurez découvert pour nous dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, partagez-la, mettez-nous des pouces de toutes les couleurs, laissez des commentaires gentils, laissez des commentaires méchants. Nous, on vous embrasse et on vous souhaite un bel été. À bientôt. Stop.